Salut à tous, et c'est Docteur Mystère. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois trucs qui sont cool en Norvège, qu'on devrait faire en France. En fait, j'y suis moi-même allé en Norvège pendant 10 jours pour un échange et j'ai découvert plein de trucs, que ce soit culturellement ou même, pas philosophiquement, mais dans la vie. Puis je me suis fait pas mal d'amis. Bon, je vais vous dire trois trucs qui sont utiles, mais qui sont géniaux et que quand on trouve en Norvège et qu'on devrait peut-être prendre exemple en France. Alors numéro 3, on a les feux tricolores. Alors les feux tricolores, on en a en France. Et parfois pour les travaux, en fait, il y a une sorte de compte à rebours pour savoir dans combien de temps on va passer. Et en fait, sur quasiment, en tout cas quand j'étais à Oslo, la capitale, sur tous les feux tricolores des voitures, on a un compte à rebours. Parce qu'en fait, les gens sont très excités. Alors les gens sont quand même moins excités qu'en France parce que quand je traverse la route alors que c'était rouge pour moi, les gens s'arrêtaient. En France, ils ne font pas. Je me suis déjà fait renverser par une voiture. Heureusement, elle roulait à moins de 50 km/h. Et de rouler à 30 ou 20, truc comme ça. Du coup, je pense que ce serait une bonne idée de faire ça en France, même si c'est pas le truc le plus cool que j'ai découvert en Norvège. Deuxième truc qui est cool, on fait un gros petit déjeuner, et comme ça, à midi, on fait un tout petit repas. C'est souvent des sandwichs, mais avec du pain quand même. Le pain que j'avais pris en Norvège, c'est du pain de qualité. Et du coup, en fait, en France, on a cette culture de prendre du temps pour manger entre midi et deux. Alors ça peut sembler contre notre culture de manger juste un sandwich ou un truc rapide à midi, sauf qu'en fait, ça nous fait gagner entre, je dirais au moins 1 heure et demie minimum. Du coup, ça permettrait d'avoir plus de temps libre. Et déjà, pendant la Renaissance, on faisait les cathédrales, les architectes avaient déjà pensé à ce que les ouvriers puissent, enfin je sais pas si on disait ouvriers ou d'ailleurs de, je sais pas, enfin les ouvriers devaient amener leur nourriture avec eux pour gagner du temps. Et numéro 1, alors je vous montre en image, j'ai vu ça dans une épicerie de la série d'épiceries Kiwi, c'est comme U mais en Norvège. Et en fait, il y a des sortes de bornes où en fait on met nos déchets, des bouteilles en verre ou canettes en métal ou des trucs en plastoc. Et ça va dans le recyclage et en même temps, en échange, ils te donnent un petit coupon de réduction de parfois quelques centimes ou parfois alors là-bas, c'est pas des euros, mais ça peut valoir parfois quelques couronnes quand vous avez beaucoup de trucs. Et c'est bien parce que ça, non seulement ça encourage les gens à recycler, enfin à bien traiter leurs déchets, ça donne de l'argent un peu aux gens, ça fait des réductions, et en plus ça limite la pollution parce qu'aujourd'hui on dit beaucoup de choses qui sont recyclables, mais malheureusement on recycle pas tout parce qu'on les balance dans la nature. Voilà, au revoir à tous, c'était Docteur Mystère.